Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième live de l'info consacré à un sujet très important pour tous les salariés des IEG qui est le système de classification et rémunération qu'on connaît aussi sous le petit nom de Classif-Rému. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a en ce moment une négociation de branche sur le sujet dont vous avez sans doute entendu déjà parler, mais comme le sujet est assez complexe et qu'on a tous beaucoup de questions, il nous a semblé intéressant de faire cette émission sur ce sujet. Alors, pour nous éclairer sur le dossier, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui de recevoir donc Alain André, le secrétaire général de la Fédération FO Énergie et Mines, et Sandrine Tellier, secrétaire fédérale et déléguée de branche pour FO. Donc, Alain et Sandrine vont à la fois nous réexpliquer un petit peu où en est la négociation et répondre aux questions donc, que vous avez posées sur Internet avant l'émission. Et si on a le temps, on prendra aussi de nouvelles questions à la fin de l'émission. Alors, on va commencer avec Alain. Donc, Alain, en tant que donc, secrétaire général de la Fédération FO Énergie et Mines, avec ton expérience dans les IEG, est-ce que tu peux nous faire un petit historique du système, de l'évolution du système Classif-Rému? Oui, Isabelle, bien sûr. Mais bonjour à toi, bonjour à Sandrine, bonjour à toutes et tous. Le système de classification que nous connaissons aujourd'hui, qui a été longtemps appelé le NSR, nouveau système de rémunération, en fait, a été mis en place en 1982 à la suite d'une longue négociation. Mais la particularité dans les IEG, c'est que donc c'est une partie de notre convention collective, le statut étant notre convention collective, et qui n'a pas fait l'objet d'un décret. Donc en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, annexé au statut sur les sites officiels, gouvernementaux et autres, on trouve l'ancien système, mais donc le système actuel est en place depuis 1982. Donc un système qui repose sur GF, NR, le SNB, le salaire national de base qui est commun à l'ensemble des salariés, et donc une majoration résidentielle et coefficient d'ancienneté. Donc il a fait l'objet de nombreuses tentatives de retouches. Il y a eu la période 2003 où, en amont des transformations donc d'EDF et GDF de l'époque en EPIC, d'EPIC en SA, il y a eu ce qui s'est appelé l'accord global, hein, qui reprenait à la fois Classif-Rému, la partie protection sociale et la question des retraités de l'époque, qui en 2003 a conduit à un référendum qui a fait que le projet n'est pas passé, qui s'appelait donc l'accord global. Et depuis, ça a conduit à une nouvelle négociation qui a abouti en 2005 sur le système tel qu'on connaît aujourd'hui, mais qui en fait n'était qu'une retouche du système de 82. Donc cet accord de 2005 qui avait diverses dispositions, notamment celles qui permettaient de faire lever les butées de NR, dont plus de 15 000 agents étaient en butée de NR dans leur GF, et ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'aucun avancement. Et donc depuis 2005, il y a eu l'accord de 2005 lui-même, donc il n'était qu'une retouche, il prévoyait une clause de renégociation. Cette clause, les employeurs ne l'ont jamais actionnée sur la base de 2005. Puis, en fait, ils sont revenus à la charge dans les années 2010, donc au début de la précédente décennie, périodiquement, mais ils avaient toujours en leitmotiv de supprimer le salaire national de base, le SNB, ce fameux dénominateur commun que nous avons entre nous. Et donc là, finalement, on arrive à une nouvelle négociation qui, donc officiellement, c'est le projet actuel, il remonte à en fin d'année dernière, fin 2020, et donc avec une négo qui, là, pour le coup, n'est pas une retouche, mais une véritable, enfin, on va rentrer dans le vif là, mais une véritable, un nouveau système qui devrait lui aussi, à l'issue de cette négociation, avec ou sans accord d'ailleurs, être présenté au pouvoir public de manière à ce qu'il fasse le décret qui rendrait officiel ce nouveau système de rémunération. D'accord. Le Classif-Rému. Merci Alain. Donc Sandrine, quelles sont les raisons principales pour lesquelles les employeurs donc, veulent revoir le système actuel? Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Isabelle, en fait, les employeurs donc nous ont convoqués pour cette négociation sur le fait de nous exposer que les managers actuellement ne pouvaient pas donc reconnaître la contribution réelle des salariés avec la grille que nous avons actuellement. Alors, quand on dit ça, on peut dire que les bases de la négociation sont honorables, mais on s'aperçoit très vite, dès le départ de la négociation, on s'est aperçu très vite
ça n'était qu'un écran de fumée. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on veut distribuer des choses, on regarde l'intérieur de son panier. Et là, l'intérieur du panier, ben, il est un peu vide et il est même en deçà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que les bases des négociations n'ont pas très bien débuté avec notre fédération. On a beau nous donner des hypothèses, on ne nous donne pas de garantie sur ce contenu du panier. Donc, comme l'a rappelé Alain, en 2005, il y a eu donc une réforme au niveau de la rémunération qui avait permis à des milliers de collègues de débloquer leur situation puisqu'ils étaient en butée, donc ça avait permis de débloquer leur situation. On avait eu la promesse donc qu'avec moins, on allait distribuer plus, engagement que les employeurs au départ ont respecté, mais qui a vite découlé sur un système d'opportunités d'économie et actuellement, la promesse de dire on distribuera plus nous laisse un peu sceptiques sur le fait de distribuer plus. Le départ de la négociation, quand même, il faut savoir que les employeurs nous avaient dit, un bon nombre d'employeurs des IEG trouvent que 2,5% d'augmentation pour un NR, c'est trop. Par contre, ils nous ont clairement exprimé que 2,5% d'augmentation pour un échelon d'ancienneté, c'est totalement inacceptable. Donc, il est vrai qu'on a du mal à partir avec un optimisme au niveau de cette négociation. Et il y a certains termes pour nous qui sont inacceptables. D'accord, merci beaucoup Sandrine. Du coup, Alain, les employeurs revendiquent dans cette nouvelle négociation la manœuvrabilité, en fait, mais on pourrait dire aussi une individualisation à outrance. Et les employeurs disent qu'en fait, c'est une attente du personnel. Donc, quelle est ta perception par rapport à ça? En matière de manœuvrabilité, je pense que les employeurs n'ont pas le monopole de cette attente. Les organisations syndicales, FO, les salariés, tout le monde attend la manœuvrabilité, notamment plus de possibilités de reconnaissance des engagements des uns et des autres à travers plus de VNR, plus d'ascenseur social à travers des changements de GF, une reconnaissance et changement de collège, les employeurs n'ont pas le monopole de cette volonté de manœuvrabilité. Simplement, on a aussi des attentes sur la question avec des carrières longues du fait de la réforme des retraites, mais on va peut-être y revenir, mais du fait de la réforme des retraites, il y a des agents qui sont à 10 ans de leur départ en inactivité et qui sont déjà à l'échelon 12, donc il y a des attentes et il y a des besoins de manœuvrabilité. Et c'est pour ça qu'on a construit un cahier de revendications, mais on reviendra dessus. Donc le problème, c'est que aujourd'hui, le système tel qu'il est, donc avec les références que vient de donner Sandrine, hein, un repère à 2,5, si chaque agent a un avancement, la masse salariale, elle évolue de 2,5%. C'est aussi simple que ça, puisque l'ENR, c'est une évolution de la masse salariale. Et le problème, c'est que depuis, en fait, si on compare à l'évolution de la masse salariale à la fin des années 2000, c'est-à-dire jusqu'à 2010, on était, quand on observait l'ensemble des mesures qui font que la masse salariale augmente, on était à un taux proche de 4. Et si on compare la même chose aujourd'hui, on est à un taux proche de 2. Donc, les employeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est le directeur financier qui pilote l'évolution de la masse salariale, avec à l'esprit la rémunération d'actionnaires, donc moins d'évolution de la masse salariale pour plus de rémunération d'actionnariat. Et donc le directeur financier, aujourd'hui, on fonctionne, ils font des benchmarks auprès du MEDEF pour voir, et donc on est plus proche de 2. Et dans le même temps, il y a une tendance lourde, c'est donc cette volonté, alors qui est portée par la dérégulation, la déréglementation, la concurrence supposée et réelle que se font Engie aujourd'hui et EDF, les uns et les autres ne veulent pas piloter leur masse salariale sur des questions de manche. Donc il y a une tendance lourde qui s'installe, qui est donc l'individualisation à travers des primes, primes à la performance, PVI, PVC, enfin on connaît... C'était beaucoup de créativité dans la matière. Alors, au passage, les primes, ce qui intéresse les employeurs sur les primes, c'est qu'une augmentation salariale, vous la provisionnez dans les comptes pour 25 ans. Une prime, puisqu'elle est pilotée à la fois par vos résultats, mais elle est pilotée aussi par le directeur financier qui dit « oui, on peut cette année », il y a un engagement que pour un an. On n'a pas la garantie d'avoir le même niveau de prime, global ou individuel, d'une année sur l'autre. Donc, dans le même temps, cette volonté d'individualiser, elle aurait dû conduire à ce que on augmente
on augmente l'augmentation de la masse salariale. Et or, c'est l'inverse. Donc, il y a une espèce de schizophrénie de la part des employeurs. C'est, je veux plus individualiser, j'introduis donc une nouvelle composante dans la rémunération, mais en même temps, je veux baisser cette évolution de la masse salariale. Donc, on voit bien que là, ça ne peut pas marcher. Et c'est effectivement ce qui conduit les employeurs à vouloir consacrer le minimum à l'augmentation générale. Et donc là, clairement, pour une organisation syndicale, une augmentation, pourquoi on est attaché à notre système, et notamment au SNB, et ce qu'on a gagné quand même toutes ces années, c'est que les employeurs ont bien compris que le SNB, c'était la clé de voûte de l'égalité, un des piliers de notre statut, de notre convention collective, encore une fois, s'il faut le dire d'une autre manière. Et donc, ils ont abandonné l'idée du SNB. Hein, ils nous ont, il y a un peu plus d'un an, il y a 18 mois, ils nous proposaient des augmentations générales d'entreprise. Donc on voit bien que d'une entreprise à une autre, ça aurait pu être différent. C'était un SNB d'entreprise. C'était un SNE, salaire national d'entreprise. Et donc ça, on a gagné là-dessus. Mais nous, ce qu'on considère, on n'oppose pas le collectif à l'individuel. Pour autant, en tant qu'organisation syndicale, on est là pour défendre le collectif. Et nous, ce qu'on considère, c'est que ceux qui éventuellement ne bénéficient pas de la reconnaissance de leurs investissements, et je pense que nombreux de ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront plus tard, doivent partager avec nous le problème des avancements au choix, c'est que même le manager, il donne pas à tous les agents qui atteignent les objectifs, il donne en fonction du NR qu'on lui donne. Donc si sur les 10 agents de son groupe, il y en a 5 à qui je devais donner, mais on lui dit « tu donneras qu'à 3 », c'est la dure réalité. Donc en fait, nous, ce qu'on considère, c'est que les augmentations générales doivent garantir au collectif le fait de ne pas perdre en rémunération d'une année sur l'autre du fait de l'érosion et de l'inflation. Et tant mieux, derrière, pour ceux qui arrivent à se faire, celles et ceux qui arrivent à se faire reconnaître leur investissement individuel, tant mieux si, effectivement, des primes qui viennent sanctionner, au sens positif du terme, qui viennent sanctionner leur investissement, qui font de la reconnaissance, mais tant mieux. Mais pour nous, le collectif doit d'abord assumer cette fonction-là. Pour tout le monde, pour les forts comme les moins forts, pour les reconnus comme pas reconnus, plus le collectif est élevé, et plus tout le monde gagne. Voilà. Merci Alain. Sandrine, alors il y a beaucoup de questions qui sont venues sur vraiment la différence avec le système actuel et en particulier donc avec cette base GFNR aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça va changer du coup concrètement ? Oui, alors je vais essayer d'être au plus simple Isabelle, parce que c'est vrai que c'est un peu technique ce qui nous est proposé. Bon, il faut savoir qu'actuellement, et tout le monde le sait, on est donc géré par cette grille de rémunération qui comporte 18 groupes fonctionnels, dits GF. Sur 3 collèges, exécution, maîtrise et cadre. Donc l'exécution va du GF2 au GF6, la maîtrise du GF7 au GF11 et le cadre du GF12 au GF19. Les employeurs nous proposent de remplacer par 10 classes. Donc 2 classes pour le collège exécution au lieu de 5 actuellement. 3 classes pour le collège maîtrise au lieu de 5 actuellement, et de créer donc 4 classes cadres et une classe cadre supérieure au lieu de 8 actuellement. L'ENR serait remplacé donc par des évolutions possibles de 0,1%. Mais il faut savoir que le salarié qui serait promu par son manager donc à une évolution salariale serait garanti d'avoir une évolution à minima de 1% ou pour les bas salaires, et ce qu'on ne souhaite pas, mais pour les bas salaires, un minima de 20 euros d'augmentation. Ensuite, donc ça c'est le 1%, c'est la base, à la main du manager pourrait être donné des 0,1%, c'est-à-dire que le manager pourrait augmenter donc un de ses salariés 1,1%, 1,2%, 1,3%, mais comme on le disait tout à l'heure, ces 0,1%, il sera limité par la quantité qu'il pourra distribuer. Donc, au niveau des changements de classe, donc, est proposé par les employeurs une augmentation salariale de 5%, et quand on change de collège, une augmentation de 7%. J'espère que jusque-là, c'est un peu plus clair. Les employeurs veulent nous rassurer aussi en mettant donc, une notion de garantie pouvoir d'achat. Alors, garantie pouvoir d'achat, c'est quoi ? C'est que les salariés, donc tous les 6 ans,
font le point avec leur manager sur leur rémunération. Si leur rémunération au cours des 6 ans n'a pas suivi le cours de l'inflation, sauf opposition du manager, le rattrapage sera fait. Alors pour nous, cette garantie pouvoir d'achat, elle correspond pratiquement à ce que cadre le code du travail dans l'entretien professionnalisation. Donc pour nous, les employeurs ne sont pas très novateurs sur le sujet. On aurait espéré quelque chose de bien plus. J'espère par ces indications avoir éclairci déjà ce qui nous est proposé. Alors, on pourrait dire 2,5% l'ENR, donc actuellement on passe à 5% quand on obtient un GF. Donc, quand je te dis 5% en changement de classe, ça équivaut à ce qu'on connaît actuellement pour le GF. Mais il ne faut pas oublier, Isabelle, qu'au lieu de 18 GF actuels, la proposition elle est de 10 classes. C'est-à-dire que l'évolution sur la carrière, ça ne sera pas 18 GF, ça sera la possibilité d'augmenter de 10 classes. D'accord. Merci bien, Sandrine, pour ces explications. Alors, pareil, pas mal de questions sur le fait que, les gens trouvent que ça ressemble en fait un peu à la refonte précédente. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment des grosses différences? Est-ce que c'est juste une simple évolution par rapport à la dernière refonte? Clairement, c'est plus qu'une refonte, puisque en fait la référence NR et la référence GF, même si elle est remplacée par la référence classe, non, c'est un changement de système. Alors, le NR, en fait, lui-même renvoyait un coefficient, hein, parce que là, c'est un peu les spécialistes du système de rémunération qui le savent, et c'est vrai que globalement, personne ne... Mais votre NR vous donne un coefficient qui multiplie donc le SNB, et donc en fait c'est la référence NR qui disparaît, parce qu'en fait ce qui disparaît c'est la référence 2,5. C'est pour faire... Il y avait deux façons de faire, il y avait la façon de faire de 2005, dire je diminue pas d'un NR, ou il y avait la façon proposée, c'est je supprime le NR et je suis directement sur une grille d'indices. Voilà. Et donc, les indices, ils sont à 0,1 et l'augmentation minimum, comme ça vient d'être indiqué, au stade actuel de la négociation, mais là aussi on a des revendications, l'augmentation minimum serait de 1% ou de 20 euros sur les bas salaires. Donc aujourd'hui, il s'agit réellement d'un changement de système classique RMU. Alors, avec une obligation derrière, encore une fois, un accord, mais cet accord par lui-même ne peut s'appliquer que par décret, et donc pas d'accord, la possibilité pour les employeurs de quand même porter une proposition à travers un relevé de position ou de conclusion au pouvoir public, et charge au pouvoir public de prendre leurs responsabilités dans la modification de notre système classif RMU. Mais avec un problème, c'est qu'on n'a pas la visibilité sur l'ensemble des leviers. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, votre salaire, c'est le SNB multiplié par le coefficient rattaché à votre NR, multiplié par votre majoration résidentielle, multiplié par votre ancienneté. Et donc sur les deux derniers leviers, majoration résidentielle et sur ancienneté, on voit bien que chez les employeurs, il y a des petites velléités, ils ont des idées, sûrement qu'ils nous proposeront des choses, mais on ne sait pas quoi. Et quelque part, il y a la moitié de la négo qui est reportée, et c'est très difficile quand même de négocier un système comme ça, parce que nous, clairement, à force ouvrière, on est gagnant-gagnant, quoi. Si voilà, on peut très bien lâcher un petit peu, enfin, accepter quelque chose qui n'est pas la meilleure solution, enfin en tout cas celle qu'on attendait, mais qu'en contrepartie à côté, on va arriver à quelque chose qui est de nature à compenser. Voilà, mais là, on n'a pas la visibilité. Il y a un vrai sujet aussi. Si, normalement, on est supposé rentrer dans une grille de classif RMU au niveau le plus bas. Or, aujourd'hui, on ne rentre pas au niveau le plus bas pour une raison simple. C'est que le GS, si vous rentrez au GF1 NR10, vous êtes, je ne sais pas combien, en dessous du SMIC. Puisque pour être légèrement au-dessus du SMIC, et très 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 légèrement, on rentre en NR40 et à l'ancienneté 4. Et normalement, ça devrait être le NR10 ancienneté 1 qui devrait garantir le SMIC. Et donc, nous, c'est aussi ce qu'on porte. Et c'est là aussi, ça fait partie de la négociation. Si vraiment le niveau d'entrée, le NR10 échelon 1, il est ramené à SMIC plus quelque chose comme c'est aujourd'hui le 4,
tout le monde bénéficie d'un effet de grille, d'une augmentation générale liée à la négociation. Mais ça, ce sont des éléments qui sont de nature à faire bouger les curseurs chez les uns et chez les autres. Hein. Quand on négocie, voilà, on sait bien qu'on ne va pas obtenir tout ce qu'on attend, mais on attend à ce qu'il y ait un effet positif. Voilà. Donc, à cette heure, les employeurs ne nous donnent pas la visibilité sur l'ensemble de la négociation. Ils avancent en priorité sur quelque chose qui leur permet, encore une fois, de piloter la masse salariale tout en introduisant plus d'individualisation, de primes. Et donc, c'est très délicat de se positionner et de se faire une promesse sur un avenir qu'on ne connaît pas par rapport à la deuxième partie. Voilà. Alors justement, Sandrine, échelons d'ancienneté et majoration résidentielle sont-ils abordés dans la négociation en ce moment ? Alors, c'est là justement où il y a un gros souci, c'est qu'au départ de la négociation, donc les employeurs nous ont clairement annoncé que ces deux parties, donc sur l'échelon d'ancienneté, la majoration résidentielle, ils attendaient donc d'avoir plus de visibilité sur la réforme des retraites. Donc, pour nous, on leur a clairement exposé qu'on ne pouvait pas séparer ces deux parties de la négociation et que si on parlait de la rémunération, on parlait de la rémunération dans son ensemble. Donc, déjà, au niveau de la réforme des retraites, vous savez nos positions, on ne souhaite pas voir de texte aboutir et on ne peut pas se permettre, donc on est mandaté quand même par les salariés sur un sujet quand même qui est la rémunération et qui, je pense, intéresse tous les salariés. Donc, ils nous ont, donc on est là pour garantir leurs intérêts. On ne peut pas partir sur une négociation et d'une première partie de leur rémunération sans avoir de garantie sur la seconde. Sinon, ce serait trahir le mandat qui nous est confié et faire un chèque en blanc, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc, les employeurs, ils nous ont annoncé à la dernière négociation qu'ils allaient revenir vers nous avec des garanties sur cette deuxième partie. Donc, on est dans l'attente, hein, on n'en sait pas plus aujourd'hui, on espère le savoir très rapidement, mais malheureusement, on ne reste pas très optimiste, parce que, comme je l'ai dit dans ma précédente intervention, les employeurs, bon nombre des employeurs, sur l'échelon d'ancienneté, 2,5%, pour eux, c'est inacceptable. Il y en a beaucoup qui nous le disent, c'est inacceptable, donc... On pense que ça sera du même acabit que ce qu'ils nous proposent pour les NR et on ne peut pas accepter que ça soit moins qu'aujourd'hui. Donc, on est dans l'attente, en effet, de propositions, mais de propositions positives et pas d'austérité. Merci Sandrine. Alors justement, concernant les échelons d'ancienneté ou globalement un peu les négociations, quel serait le lien avec ce projet de réforme des retraites du gouvernement, Alain ? Bah, le lien, a priori, il n'y en a pas. Il n'y en a pas directement, mais effectivement, ça pose le problème. Donc aujourd'hui, l'échelon 12, on l'acquiert après un certain nombre d'années dans notre système. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le phénomène des longues carrières, même si les longues carrières, ce n'est pas quelque chose de très reconnu dans les IEG, mais il y a des agents qui sont très jeunes, 18, 20 ans, et qui se retrouvent, donc s'ils doivent aller jusqu'à 62, 64, voire plus, comme on peut le craindre à travers les annonces qui nous sont faites, eh bien, ils seront à plus de 10 ans de leur départ en inactivité, sans aucune possibilité d'évoluer à travers la mécanique échelon d'ancienneté. Donc ça pose la question, échelon 13, 14, 15, enfin ça repose la question des échelons d'ancienneté. Et au passage, j'aimerais quand même que, pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que les employeurs ont tendance à dire... les échelons d'ancienneté, c'est la rémunération de la fidélité. Et quelque part, la fidélité, c'est pas ce qu'ils ont. Ils ne sont pas très attachés en réalité, hein, puisque le discours, c'est fini, les carrières à vie, tout ça. Je pense qu'il est très important pour tout le monde de bien comprendre que ce qui est rémunéré à travers l'ancienneté, le coefficient d'ancienneté, la majoration d'ancienneté, c'est la polycompétence. Quand on fait une carrière longue, on commence en général plutôt au bas de l'échelle, en tout cas, à son plus bas, et une carrière normale, on fait différents postes, on a une mobilité fonctionnelle, au-delà de la mobilité géographique, on a une mobilité fonctionnelle qui fait qu'on acquiert des multi-compétences par rapport à j'ai été agent d'accueil, je deviens gestionnaire de contrat, je suis manager, enfin, on voit bien qu'on garde ses compétences initiales, mais qu'au fur et à mesure, on acquiert d'autres. Et donc, ce que rémunère l'échelon d'ancienneté, c'est cette polycompétence. C'est le fait que
Si on embauche quelqu'un directement qui démarre sa carrière sur le même, en exigeant de lui la compétence de base de cet emploi, il a quand même moins de compétences que quelqu'un qui est passé par tous les... Voilà. Et je pense que c'est très important parce que on est très attaché à ça, parce que sinon, il y a aucune mécanique qui reconnaît la polycompétence. Voilà. Merci Alain. Sandrine, alors on va évoquer peut-être ce que revendique concrètement FO dans cette négociation. Si tu peux peut-être nous refaire un petit calendrier aussi de la négociation, un peu parce que je me rends compte qu'on n'a pas discuté de quand est-ce qu'elle est censée se terminer, est-ce qu'il y a des dates, hein, est-ce qu'il y a des, voilà, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on est très avancé et où est-ce qu'on va en fait avec ça? Alors là, Isabelle, d'un point de vue employeur, ils aimeraient qu'elle soit terminée. Pour nous, bien évidemment, donc on n'est pas satisfait de ce qui nous est proposé. Donc, te donner un aboutissement de la négociation, bon, c'est au niveau de la branche de la CPPNI où on en dispute. Là, on a prochainement des bilatérales. On a une CPPNI mi-octobre, donc où le sujet va être de nouveau discuté avec les organisations patronales. Donc, on verra justement l'avancée qu'ils vont nous proposer sur nos dernières réunions. Ça, on n'a pas de vision, comme je te disais, sur la seconde partie. Ils nous ont dit nous donner des garanties, mais on n'a pas de nouvelles aujourd'hui en direct de notre émission. Ce qui est certain, c'est que nous, on n'a pas été demandeurs de cette négociation. Donc, on y participe parce que Force ouvrière participe évidemment quand il y a sollicitation et pour faire évoluer le système de rémunération des salariés. Mais on a dit depuis le départ de la négociation aux employeurs qu'ils s'attaquaient quand même à des GF et des NR auxquels les salariés sont très attachés. Donc, partir sur l'annulation totale des GF et des NR du jour au lendemain, psychologiquement, au niveau des salariés, c'est un changement radical, donc il faut nous laisser le temps. C'est ce qu'on leur a dit. Même s'ils sont attachés, les salariés, donc aux GF et aux NR, ils ne sont pas satisfaits de leur rémunération actuelle. Si on fait le tour des salariés, tout le monde nous dira qu'ils ne sont pas satisfaits du SNB. On n'en est pas satisfaits non plus parce qu'on est souvent quand même appelé à négocier autour de ce SNB, mais négocier un simulacre de négociation, vu comment sont faites les augmentations de celui-ci et des AIC. Pour autant, on a commencé une négociation, donc on n'est pas opposé à revoir le système actuel. Mais on n'est pas opposé si c'est synonyme de progrès social. Donc on a fait plusieurs propositions, c'est-à-dire que sur la proposition qui nous est faite de 10 classes, on propose 20 classes. Sur la proposition donc de 5% d'augmentation au changement de classe, on propose 7%. Et sur les 7% au changement de collège, on propose 10%. Autre chose aussi, c'est qu'on propose donc aux employeurs un salaire à l'embauche, donc pour les jeunes embauchés, de 2000 euros brut, avec une reconnaissance des diplômes à l'embauche et de l'expérience professionnelle. Bon, on viendra aussi sur le sujet de l'expérience professionnelle tout au long de la carrière, qui est très sollicitée par les salariés. Et également, quelque chose qui nous tient à cœur et dont Alain a parlé tout à l'heure, c'est les primes à la performance, puisqu'on s'aperçoit, et ceux qui nous écoutent font partie de différentes entreprises, que d'une entreprise à une autre, c'est tellement disparate qu'on aimerait qu'au niveau de la branche, il y ait une discussion qui s'entament avec les entreprises. Bon, elles ne sont pas très friandes, mais on insiste parce que cette différence entre les entreprises nous surprend, les salariés nous en font part et on aimerait qu'il y ait un peu un cadrage de branche par rapport à ces évolutions, à ces performances individuelles. Voilà. Merci bien. Et est-ce que les employeurs sont enclins du coup à négocier sur les bases que vous revendiquez ? En fait, les employeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, nous expriment au cours de cette négociation, même si ce n'est pas de façon directe, on l'entend bien le message, que les NR et les échelons, c'est problématique pour eux. Donc, comme l'a dit Alain, il est plus facile de faire une augmentation annuelle que de faire une augmentation sur toute la carrière. On regrette que les employeurs ne reconnaissent pas le travail de leurs salariés qui sont quand même, eux, à la base des richesses produites pour les entreprises.
on aimerait une répartition différente des richesses. Et c'est là où on ne trouve pas un terrain d'entente parce qu'on n'a pas beaucoup de grains à moudre, en fait. Dans les propositions qui nous sont faites, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est sûr que répartir les richesses avec ce qu'on nous propose, on n'est pas sur le même terrain. Actuellement, bon, on sort d'une période où il aurait été bien que les employeurs ils prennent l'opportunité de redynamiser l'engagement du personnel dans ce contexte qui est un peu compliqué actuellement. Merci Sandrine. Alors, on va passer maintenant aux questions qui ont été envoyées plus récemment. Voilà, je les découvre un peu en même temps que vous. Alors, il y a déjà des questions sur l'impact en fait du passage maîtrise à cadre et donc les impacts que vont avoir. Alors déjà toute cette période un peu de transition peut-être entre deux systèmes s'il y en a une. Et puis voilà, globalement après dans la nouvelle dans la réforme si elle a lieu, est-ce que les passages maîtrise cadre seront toujours d'actualité? Est-ce qu'il y aura des plages minimum pour y prétendre? Voilà, comment ça va se passer concrètement pour les agents voilà qui auraient un passage cadre, un passage maîtrise cadre? En fait, la période de transition, donc on en a parlé pendant, tout à l'heure je disais, nous on a appuyé sur le fait que du jour au lendemain, on n'ait plus parlé de GF et NR pour les salariés, même les managers qui vont devoir s'approprier la grille, ça ne va pas être évident. Donc si jamais ces négociations viennent à aboutir, ils nous ont assuré qu'il y a une période de transition. Mais en fait, ils nous ont assuré une période de transition sans aucune explication, c'est-à-dire qu'on ne sait pas la transition sur combien de temps, comment ça va s'effectuer, est-ce que ça sera année par année. Bon, déjà, on sait que la majoration résidentielle et les échelons, ça sera une deuxième partie de négociation. Donc, tant que la rémunération globale, mais c'est ce qu'on exige de tout mettre dans le même... ça a aussi un sens, parce qu'on ne peut pas faire un changement sans avoir pris toutes les parties. Sur ce qui est du changement, donc là, c'était la question de maîtrise à cadre. En effet... la proposition donc, des employeurs de 7% du changement de collège, c'est la proposition qui nous est faite aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si... Donc, c'est toujours possible. A priori, la négociation telle qu'elle est faite aujourd'hui, possible, oui. C'est toujours possible. Et nous, c'est clairement une des valeurs de notre organisation. C'est l'ascenseur social. Donc, l'ascenseur social, c'est le changement de collège, c'est la reconnaissance des diplômes. Y compris les diplômes acquis au long de la carrière et d'une façon quelquefois spontanée de la part des salariés. Donc, c'est très attaché à ces choses-là. Et justement, sur l'expérience professionnelle, vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que ça fait partie de la négociation, cette question de l'expérience professionnelle acquise pendant la carrière? Ben là, on revient sur la discussion autour de l'échelon d'ancienneté qui donc a renvoyé à un deuxième volet dont pour l'instant, on n'a pas de visibilité. Sur lequel on n'a pas trop de visibilité, tant dans le contenu, dans les velléités des employeurs, mais ni non plus sur le calendrier. Au départ, il y avait un calendrier, on devrait y être, en fait. C'était le début de cette deuxième négociation, c'est maintenant. Mais bon, ce n'est pas le cas réellement. Donc non, on n'a pas de visibilité. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question, donc je vais vous la lire, parce qu'elle fait un peu de témoignage également, donc je la lis directement. Donc, j'ai connu les augmentations correspondant à 2 NR actuels, parce que maintenant on appelle ça les demi-NR, on a encore les anciens francs et nouveaux francs. Le passage à cette augmentation, donc divisée en 2, n'a pas été prometteuse comme vendue avec des augmentations plus fréquentes, ce que tu évoquais tout à l'heure. Donc, en quoi le nouveau système garantira l'augmentation de l'agent s'il a fait du bon travail? Bah, objectivement, bon, il y a une affirmation. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, on a tendance, selon les sujets, à retenir que le bon ou retenir que le mauvais. Donc, clairement, sur cet accord de 2005 qui a conduit à ce que le NR passe d'une valeur de 5% à 2,5% en moyenne, c'est vrai que les gens ont retenu que le 2,5%. Mais objectivement, en expérience, j'ai vécu cette période-là, quand on négociait les avancements au choix à cette époque-là, avant le 2005, c'était 17,5% pour l'exécution, 17,5% pour la maîtrise et 35% pour les cas. Et parce que c'était écrit dans l'accord de 2005, pendant très longtemps, on a fait plus que doubler, parce qu'on a connu, pour ceux qui s'en rappellent, des taux d'avancement à 50% pour l'exécution et la maîtrise et à 75% pour les cas. Et là, on en revient au pilotage de la masse salariale qui a été imposé par les directeurs financiers et puis qui n'est pas étranger, dans lequel n'est pas étranger la question
de l'endettement de l'acteur principal de la branche, hein, et puis toutes ces questions, en fait, les conséquences de l'ouverture des marchés, de la, tout ça. Voilà. Donc, attends, c'était le sens de la question. Donc, c'était vraiment par rapport aussi à la reconnaissance. Oui, en fait, mais alors, que la reconnaissance va être reconnue. Alors, la reconnaissance, encore une fois, il y a deux côtés, hein, parce que l'ENR dit au choix, sont là normalement pour sanctionner positivement un agent à qui on a fixé des objectifs, j'ai atteint mes objectifs, donc j'ai mon seuil de déclenchement du NR est atteint. Donc encore une fois, avec toute la problématique de la gestion que même subit le manager, puisque si j'ai mes 10 agents, encore une fois, sur un groupe de 10, les 10 ont bien tourné, je sais que les 10 auront atteint leur objectif, mais je vais devoir trouver un alibi pour dire non, toi tu ne l'auras pas. Alors, c'est plus ou moins transparent selon les managers, mais souvent ils sont très coincés eux-mêmes. Et donc c'est plutôt la partie individuelle. Là, c'est alors, comme disait Sandrine, nous on aimerait bien qu'il y ait un cadrage de branche pour dire, voilà, ça c'est telle prime est généralisée dans toutes les entreprises de la branche. Et puis pourquoi pas fixer un seuil minimal, un seuil raisonnable, parce qu'il y a aussi, il faut qu'il y ait des seuils raisonnables. Si on va avoir du général, il faut que l'individuel ne soit pas trop excessif. Un encadrement un peu sous la forme de ce qui est la manière dont est encadré l'intéressement. Hein. Il est encadré, alors lui, par la loi. Donc, les augmentations individuelles, c'est du domaine de l'entreprise aujourd'hui. Donc, clairement, la négociation de branche sur classif REMU ne donne aucune garantie sur la transparence, sur la disparition de l'arbitraire dans la manière dont seront reconnus les investissements des agents, y compris quand ils ont atteint leurs objectifs. Okay. Effectivement, j'ai une autre question. Hein. Si l'agent a des tensions avec son NPL, quelles sont les garanties que la reconnaissance du travail sera valorisée? Donc, c'est bien, je pense, derrière là, cette question de l'arbitraire ou de la tête du client, entre guillemets, du pouvoir du manager sur l'individualisation de la rémunération. Là, il n'y a pas plus de garanties par rapport à ça. Alors, le souci, ça peut être aussi sur le ressenti du salarié à se dire qu'il n'est pas récompensé par rapport à son collègue, mais le manager aussi, il est dans une posture qui est un peu délicate, c'est-à-dire que si on ne lui donne pas suffisamment de choses à distribuer, là, je te disais tout à l'heure, c'est un minimum de 1%. Actuellement, c'est 2,5 donc pour un NR. Donc déjà, pour qu'il y ait cette valeur de NR reconnue actuellement, le manager, il faudra qu'il double, enfin, de 2,5, ce qui est possible de donner par salarié. Donc, ça va être compliqué pour un manager sur une équipe d'expliquer qu'il a fait deux fois et demi sur un salarié et celui qui a contribué quand même à l'équipe et qui a atteint des bons résultats, il attendra l'année prochaine. Enfin, là, ils mettent clairement en difficulté les managers de proximité. D'accord. Merci bien. Alors, là, j'ai une question très précise, donc je vais la lire aussi parce que je ne sais pas si elle est vraiment dans le sujet, mais bon, vous me direz. Hein. Est-il prévu une négociation poussée sur les métiers de la relation client, accueil, distributeur, acheminement et cellule écoute client qui sont les grands oubliés de chaque CSP? Alors, non. La réponse est non, mais je pense que cette question a le mérite d'amener un débat et d'éclairer aussi sur l'évolution de notre système de classification. Le NSR de 82, donc en 82, était associé à un catalogue des fonctions. Alors, pour les spécialistes, on est donc dans un système parodie. Donc, on négociait, enfin, on discutait au niveau de la branche. C'était annexé au statut. Je crois qu'il en reste encore, d'ailleurs. Des métiers assez exotiques, hein, d'ailleurs, parce qu'ils ont disparu la plupart, puisque ça n'a jamais été mis à jour. Donc, il y avait un catalogue des fonctions, il y avait une discussion au niveau de la branche sur, effectivement, agent d'accueil, premier niveau, quelles sont les compétences demandées, et donc, quel est le GF, ça a failli. Et comme ça, sur des emplois, y compris, il y a des emplois de cadre et de cadre supérieur. Et ça, ce système-là, les employeurs, ils ont voulu s'en débarrasser, et notamment par le biais de M3E, qui, même si aujourd'hui est quand même sacrément dévoyé, M3E, ça a été donc la méthode E. La méthode E, c'est je pèse chaque emploi, en théorie. Donc, alors, on a gardé un système intermédiaire, mais en réalité, aujourd'hui, les emplois sont plus pesés au niveau de la branche. Donc, c'est tout renvoyé à l'entreprise pour ne pas dire à la grande direction, pour ne pas dire au petit service, parce que c'est... il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune négociation. Et alors, clairement, c'est quelque chose auquel on est attaché quand même, parce que on a un métier de base dans un monteur distribution, un monteur électricien,
qu'il soit dans une ENN ou à Enedis ou dans n'importe quelle entreprise, il fait à peu près le même travail, en tout cas sur l'aspect fondamental. Certains, on leur demande de faire d'autres activités avec nous. Mais donc, c'est logique pour nous que tous ces métiers repères, ils fassent l'objet d'un examen et d'une évaluation. Mais c'est un sujet qui n'intéresse clairement pas les employeurs au niveau de la branche. La tendance, c'est la tendance El Khomri, hein, la tendance les ordonnances Macron, c'est plus de marge de manœuvre au niveau des entreprises et moins de cadrage au niveau de la branche. Donc, ce sujet n'y échappe pas. Merci beaucoup. Voilà pour les questions. Alors après, sur un peu le mot de la fin, peut-être chacun, est-ce que vous êtes, chacun de vous, optimiste ou pessimiste là, sur cette négociation et sur la manière dont elle progresse, hein. Alors, te répondre radicalement optimiste ou pessimiste, moi j'attends le pas qui serait fait de la part des employeurs vis-à-vis de ce qu'on leur a... de ce qu'on a revendiqué, et puis le porte-parole des salariés. Donc, on espère être entendu. On espère que là, dans les semaines qui viennent, ben, ils reviennent vers nous avec des choses plus positives que ce que je t'ai expliqué aujourd'hui, parce qu'à l'état actuel, donc c'est, pour nous, c'est le mandat qui nous est confié est totalement en dehors de ce qui nous est proposé. D'accord. Et Alain ? Ah ben moi je suis toujours, je suis un éternel optimiste d'ailleurs. Alors d'abord parce que avec Sandrine, il y a une équipe de négociation qui fait preuve d'une grande pugnacité et qui ont travaillé, qui connaissent le sujet. Elle vient de le souligner, il y a un écart important encore entre le mandat confié par les représentants de l'organisation, par nos adhérents, par ceux qui nous regardent et nous écoutent. Donc il y a un écart important. Bon, après les employeurs. Il faut souvent les aider à trouver les bonnes solutions. Ça s'appelle le rapport de force. Voilà. Alors le rapport de force, il peut se matérialiser de différentes manières. J'ai à cœur de rappeler que le code du travail n'est pas né de l'amour. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé un jour en disant « je vais donner la semaine et les congés payés ». Ça ne s'est pas fait comme ça. Beaucoup de choses se font dans un rapport de force qui n'est pas forcément, qui se matérialise pas forcément dans la rue, mais en l'occurrence, nous, comme on trouve que ça patine un peu, on s'inscrit pleinement dans l'action qu'a décidé notre confédération pour le 5 octobre, hein, où, dont les deux grands thèmes, c'est la question des emplois et la question de la rémunération et des salaires. Donc, bon, nous, on espère que les électriciens et gaziers auront bien compris l'occasion qu'il y avait là à marquer son mécontentement, alors sous une forme ou sous une autre, hein, parce que, encore une fois... Le rapport de force peut prendre différentes formes, donc je sais que dans les entreprises, nos représentants y travaillent à donner l'occasion à chacun de se mobiliser pour dire bah, question de salaire, ça doit pouvoir être mieux. Voilà, donc nous on utilise tous les leviers que sont ceux de l'organisation syndicale. On négocie, on essaye de mobiliser. Voilà, et moi j'invite encore une fois toutes celles et ceux qui pensent que ça pourrait être mieux. Bah, à apporter leur petite contribution à cette négociation, et notamment le 5 octobre, encore une fois, parce qu'on sera dans un grand élan confédéral. On voit bien qu'aujourd'hui, la question de la rémunération et de la question des emplois, alors à matcher en plus avec les compétences, parce qu'on voit bien qu'il y a des décalages. Donc, bah, quand on a des gens qui ont des compétences, comme ça peut être le cas dans nos industries, bah, il faut les rémunérer, parce que sinon, voilà, il y a un problème. Donc allons-y, moi je suis encore une fois l'ancien sportif. Le match il n'est pas fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin. Pour l'instant, le match n'est pas fini. Eh bien, merci beaucoup, merci Sandrine, merci Alain, merci à tous d'avoir participé à cette émission. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos correspondants FO locaux si vous avez d'autres questions sur ce sujet qui va évoluer en fait au fur et à mesure des négociations. Et on espère vous revoir très bientôt pour un prochain Info en live. Au revoir. Au revoir à toutes et tous.